C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde ! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Des gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne parlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État critique. Quelle que soit la civilisation, la culture ou le pays où elles ont pu jaillir, les légendes ont une vie très solide. Elles traversent les décennies, les générations, les siècles avec une aisance telle que le temps est devenu l'une des principales bases de leur mythologie. Une légende vieille de 500 ans suscitera sûrement plus de fascination qu'une légende urbaine actuelle, car elle possédera sans doute plus de mystères, plus de secrets qui se sont évaporés progressivement d'année en année. Vous connaissez tous la légende du monstre du Loch Ness, du Yeti ou de Bigfoot. Eh bien, notre film du jour s'intéresse à une légende encore plus ancienne. Plus ancienne et sans doute plus mystérieuse, plus sanglante également. La légende d'une créature bien particulière qui a sévi ici, en France, chez nous, dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, l'actuelle Lozère. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une bête monstrueuse, terrifiante et sanguinaire, une légende pleine de secrets et de zones d'ombre qui se sont évanouies dans le temps, un terrible conte qui a traversé le temps afin d'arriver jusqu'à nous pour continuer à nous fasciner. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur un film qui s'inspire très librement de ce fameux mythe, la légende de la bête du Gévaudan, et qui s'avère en plus être l'un des plus gros budgets du cinéma français à l'époque, projet très ambitieux qui s'avérera finalement très rentable, aussi bien en France qu'ailleurs. Je veux bien évidemment parler du film Le Pacte des Loups, sorti en France le 31 janvier 2001 et réalisé par Christophe Gans. Passionné par le cinéma depuis sa tendre enfance, Christophe Gans débutera sa carrière en devenant rédacteur en chef du magazine spécialisé Starfix. Nous sommes au cœur des années 80 et à cette époque, Gans rêve déjà depuis longtemps de réaliser ses propres films plutôt que de revenir longuement sur ceux des autres. Sa première réalisation sera la partie The Drowned du film Necronomicon sorti en 1994. Son travail sera remarqué un peu partout où le long métrage sera diffusé, ce qui lui permettra un an après de signer Crying Freeman, produit par Samuel Adida et Brian Yuzna, avec Mark Dacascos dans le rôle titre. Le style graphique de Gans surprend beaucoup de monde. Créateur de fresques complexes, Gans signera donc Le Pacte des Loups en 2001, son second film, qui connaîtra un très gros succès qui lui permettra de s'expatrier à Hollywood. En 2006, il signe Silent Hill, adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom. Et depuis, deux projets très attendus. Une nouvelle adaptation du héros Fantomas créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain, adaptation qui n'aurait rien à voir avec les films avec Jean Marais et Louis de Funès, comme en atteste le ton chaotique de cette affiche diffusée à Cannes en 2009. Le projet repoussé est aujourd'hui en stand-by. L'autre film est une adaptation de La Belle et la Bête sur laquelle Christophe Gans plancherait au moment où je vous parle. Au casting du Pacte des Loups, nous pouvons retrouver un parterre de comédiens et comédiennes provenant de tous les horizons, les vedettes montantes du cinéma français, les acteurs d'expérience et également deux noms provenant d'un cinéma plus international. Prenons les deux principaux comédiens du film, Samuel Le Bihan et Vincent Cassel, deux espoirs qui devaient devenir ensuite des acteurs respectés dans la profession.
Le Bihan est né en 1965 à Avranches, dans la même ville que moi, mais à l'âge où moi je réalise aujourd'hui des vidéos critiques sur internet, lui débuta sur les scènes de théâtre où peu à peu on commença à parler de son talent. Capable de formidables performances sur scène, Le Bihan va devenir un comédien très respecté dans le milieu, en défendant notamment les textes de certains grands auteurs comme Victor Hugo ou Corneille. Au cinéma, il jouit d'une carrière éclectique, comme en attestent ses rôles dans les films Jet Set, Restons groupés, La Mentale, Disco, Frontières, Des poupées et des anges, Mérine l'ennemi public numéro 1, dans lequel il retrouve d'ailleurs son partenaire dans le Pacte des loups, Vincent Cassel. Ce dernier, révélé en 1995 dans La haine de Mathieu Kassovitz, deviendra l'un des acteurs français sur lequel il faudra désormais compter à l'époque de la sortie du Pacte des loups, mais également des Rivières pourpres en 2000. Deux succès qui donneront à Cassel une liberté d'action qui lui permettra d'enchaîner des rôles toujours plus complexes dans des films toujours plus singuliers. De Irréversible en 2002 à Mérine en 2008, en passant par Blueberry, Shaitan, Notre jour viendra, Black Swan, Le Moine ou Ocean's 12 pour ne citer que. À leur côté dans le Pacte des loups, nous pouvons retrouver Emily Deken, Monica Bellucci, Jérémy Régnier, Marc Dacascos, Jean-Yann, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Edith Scob, Bernard Farcy et Philippe Naon. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? 1766, une mystérieuse créature massacre de nombreuses victimes dans les montagnes du Gévaudan. Impossible de l'identifier et de l'arrêter. Au vu de l'état des cadavres qu'il sème, on suppose qu'il s'agit d'un monstre gigantesque, assoiffé de sang que rien ne peut stopper. Grégoire de Fronsac, accompagné de son ami indien Mani, est envoyé sur place pour trouver la bête et tenter de déterminer ses origines, son portrait. Sur place, il fait la connaissance d'une jeune femme, Marianne de Morangias, dont il tombera amoureux, ainsi que du frère de celle-ci, Jean-François. La famille de Morangias est l'une des plus importantes et des plus puissantes familles du pays. Peu à peu, de Fronsac va comprendre qu'il n'est peut-être pas le bienvenu dans cette région. Cette fiction, car oui, il s'agit bien d'une fiction, malgré le fait qu'il s'agisse d'un film tiré en partie d'une histoire vraie, celle de la bête du Gévaudan, possède un mélange de genres cinématographiques très singulier et assez inhabituel pour un film français. Nous allons revenir sur tout ça, mais avant, parlons un peu de la célèbre histoire de la bête du Gévaudan. Le 30 juin 1764, Jeanne Boulet, 14 ans, est retrouvée morte dans un petit village au cœur du Gévaudan. Son cadavre est violemment lacéré comme si elle avait été agressée par une bête féroce. Elle est la première victime officielle d'une créature que l'on nommera bientôt la bête du Gévaudan. Sa mort fait suite à des agressions violentes dans la région, d'autres morts également, même si cela n'a jamais pu être vérifié. Ce qui débuta comme un simple fait divers va devenir une affaire nationale, secouant même la sphère royale qui gouvernait à l'époque le pays. De 1764 à 1767, plus d'une centaine d'attaques vont être répertoriées, causant la mort de 88 à 124 personnes. Alors pourquoi les chiffres ne sont pas précis? Parce que certains décès ont pu être liés par erreur aux agressions de la bête et d'autres non. Rappelons qu'à l'époque, les moyens dont disposaient les personnes chargées de l'enquête sur les morts de la bête du Gévaudan étaient largement plus limités qu'aujourd'hui. Dès 1764, des battues vont être organisées dans les forêts pour débusquer cette bête que rien ne semble arrêter. Le capitaine Duhamel et ses hommes, des militaires expérimentés présents dans la région, sont engagés pour sortir la bête de son trou, mais jamais ils ne croiseront son chemin. Et pendant ce temps, les morts s'entassent. La bête n'hésitait pas à attaquer en plein jour au cœur des villages, dans les champs. Les principales victimes étaient des femmes et des enfants sans aucun moyen de défense. Étant donné que personne n'avait idée réellement de quel genre de bête il s'agissait, des rumeurs et des fantasmes ont commencé à circuler. Est-ce un gros chien, un loup-garou, une créature envoyée par Dieu, un homme déguisé en bête? Fait-il partie d'un complot chargé de déstabiliser le roi de France Louis XV? Le fait divers va prendre de l'envergure, beaucoup d'envergure. Le conseiller du roi va envoyer sur place un homme considéré comme le meilleur chasseur de loups de tout le pays pour tuer la bête, Martin de Neval. Nous sommes au début de l'année 1765, ça fait un an que le monstre sévit. Les chasses s'avéreront infructueuses. Le marquis de Morangies, l'un des plus riches notables du pays, fait renvoyer de Neval et ses hommes sur Paris. Pendant ce temps, le massacre continue. L'affaire fait grand bruit. Toute l'Europe en parle désormais. Louis XV veut en finir avec cette histoire qui commence à trop faire parler d'elle. Il envoie son porte-arquebuse, François-Antoine, dans le Gévaudan pour en finir.
En septembre 1765, lors d'une importante battue, François-Antoine tombe nez à nez avec la bête. Il tire, la créature tombe, puis se relève et se jette sur lui. Heureusement, un garde situé à proximité achève la bête. Est-ce bien la bête du Gévaudan qui est morte ce jour-là? Dans son procès verbal, François-Antoine dira que non, il s'agit d'un gros loup. Pourtant, on tardera pas à réduire au silence le porte-arquebuse et considérer que la bête tuée est bien la bête du Gévaudan. Elle sera empaillée et exposée dans les jardins du roi de France. Officiellement, la bête du Gévaudan est morte. Peu importe ce qui se passera ensuite, tout le monde gardera à l'époque à l'esprit que François-Antoine a bien tué la bête. L'histoire commence alors à se dissiper, l'affaire semble réglée. Seulement, à l'approche de l'année 1766, des rumeurs sur le retour de la bête commencent à faire surface, après de nouvelles attaques survenues dans la région. Les attaques semblent moins violentes, mais elles sont bien présentes. Le roi est informé, mais il ne veut rien savoir. Pour lui, l'affaire est bouclée et finalement, ces rumeurs ne relanceront pas l'affaire au même impact que précédemment. Néanmoins, le sang continue à couler dans le Gévaudan. Simplement, plus personne ne s'intéresse à l'affaire de la bête. La région est donc plongée dans la psychose et les habitants doivent se défendre eux-mêmes. Le 19 juin 1767, un paysan, Jean Chastel, tue ce que beaucoup considéreront comme la véritable bête du Gévaudan, puisqu'après ça, plus aucune mort suspecte liée à une créature féroce n'aura lieu dans la région. La bête sera tuée dans l'indifférence générale, puisque officiellement, c'est la bête de François-Antoine qui est la véritable bête du Gévaudan. Passé cette affaire, le temps de l'enquête arrive. Elle durera jusqu'à notre époque, car encore aujourd'hui, un très grand nombre de zones d'ombre subsistent quant à cette histoire. On ignore toujours à l'heure actuelle ce qu'était réellement la bête du Gévaudan, d'autant qu'aucun des deux cadavres n'a été conservé. Il s'agissait probablement d'un gros loup invulnérable qui ne craignait pas l'homme, très agressif, très brutal, très agile également. Les rapports d'enquête de l'époque décrivent tout ça, mais au fond, on ignore toujours d'où cette bête a bien pu provenir. De même, beaucoup de personnes ont pensé que cette créature fut dressée par de Morangiès, le puissant notable, pour gêner le roi de France qui décida d'empailler la première bête tuée afin de s'empresser de faire taire l'affaire au plus vite. Ces zones d'ombre participent évidemment à alimenter la légende de la bête du Gévaudan qui a traversé le temps et les époques et qui aujourd'hui encore continue à fasciner les gens. Le cinéma comme la littérature ou la musique s'est évidemment emparé du sujet. Le Pacte des loups reste néanmoins l'adaptation cinématographique la plus importante jamais réalisée sur le thème de la bête du Gévaudan. Notons quand même qu'en 2003, un téléfilm de Patrick Volson avec Sagamor Stevenin, La bête du Gévaudan, fut réalisé. Mais revenons à notre film du jour, Le Pacte des loups. Vers la fin des années 90, Christophe Gans travaillait sur un projet important. La mise en scène d'une préquelle au chef-d'œuvre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Intitulé Nemo, ce film était très ambitieux et devait s'imposer évidemment comme un événement dans le paysage cinématographique international. Notons quand même que des noms comme Russell Crowe ou Keanu Reeves circulèrent à l'époque pour interpréter le capitaine Nemo jeune. Malheureusement, au début de l'année 1999, Christophe Gans laisse tomber le projet à cause d'une production qui prend du temps à se mettre en marche. Le projet sera finalement annulé suite à son départ. Christophe Gans se tourne alors vers un autre projet, celui d'une adaptation de la célèbre histoire de la bête du Gévaudan. Ce sera le Pacte des loups. Sorti fin janvier, le Pacte des loups va très vite s'imposer comme l'un des plus gros films sortis en cette année 2001. Doté d'un budget très important de plus de 32 millions d'euros et réunissant également un grand nombre de comédiens très connus, le Pacte des loups est l'événement cinématographique du cinéma français de ce début d'année 2001. Le succès sera au rendez-vous, plus de 5 millions de spectateurs se déplaceront dans les salles et le Pacte des loups se classera à la 6e place des plus grands succès de l'année, derrière Harry Potter à l'école des sorciers, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La vérité si je mens 2, Le Seigneur des Anneaux, La communauté de l'anneau et Le placard. Le Pacte des loups connaîtra également une carrière internationale plutôt honorable et réunira quand même, toute exploitation confondue, plus de 70 millions de dollars de recettes. Plongeons-nous maintenant dans la critique de ce fameux film. La toute première chose qui frappe lorsqu'on découvre le Pacte des loups, c'est sa singularité stylistique qui le détache complètement de tout ce que l'on est habitué à voir dans le cinéma français. Le film de Christophe Gans est une réunion de styles et de genres cinématographiques qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux. Cinéma de cap et d'épée, cinéma d'arts martiaux asiatiques, cinéma fantastique à l'américaine, western également, Christophe Gans réalise un film qui, en premier lieu, avant même que l'on se plonge au cœur du sujet, est une sorte d'œuvre cosmopolite qui puise son inspiration un peu partout dans un certain nombre de genres pour mélanger tout ça et nous proposer un spectacle qui, il faut le dire, est entièrement inédit dans le cinéma français.
Il faut absolument souligner qu'en France, le cinéma de genre n'est pas forcément le bienvenu et que le Pacte des loups, au vu de son budget important, de son envergure non négligeable, fait figure d'exception dans le paysage cinématographique français. La prise de risque qu'il constitue dans un pays où le cinéma boude les films fantastiques est déjà un point positif qu'il est nécessaire de souligner. Film singulier, inédit et totalement bienvenu dans le paysage cinématographique français. Ok, mais est-ce qu'être un film qui va à contre-courant de ce qu'un cinéma national a l'habitude de nous proposer, c'est être un bon film? Non, évidemment. Le Pacte des loups n'est pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas non plus une merde totale. C'est un film avec des idées assez intelligentes et plutôt bien amenées, mais doté aussi de quelques colombins qui entachent un peu la pellicule. Christophe Gans est un metteur en scène passionné par son art. Il est issu de la même génération qu'un Quentin Tarantino, bercé au cinéma bis, squatteur de vidéoclub, passionné par le cinéma fantastique américain ou le cinéma d'arts martiaux. Christophe Gans connaît ses références sur le bout des doigts et son premier essai, Crying Freeman, prenait déjà source dans le cinéma asiatique qu'il affectionne tant. Pour autant, c'est bien beau d'avoir de bonnes références et de les exploiter, encore faut-il s'émanciper de ces derniers pour créer son propre cinéma afin qu'il puisse devenir à son tour référentiel. Dans le Pacte des loups, on sent véritablement que Christophe Gans connaît ses références mais qu'il tâtonne encore pour s'élever au-dessus de ceci. Parmi les points négatifs que j'ai pu relever dans le film de Christophe Gans, nous pouvons déjà trouver certaines références assez bizarrement placées, qui même si j'imagine elles nous ont été présentées de cette façon pour créer un effet de style singulier, tombent un peu à plat. Prenez cette séquence où des paysans vivant au cœur du Gévaudan se cartonnent la gueule, façon Ultimate Fighting, ou tout simplement notre héros joué par Samuel Le Bihan, un vague bourgeois parisien, adepte du combat d'épée acrobatique façon demi tigre et dragon. Sans parler de Mani, l'indien, l'exotique, adepte de rituels indiens et qui serait capable de foutre à terre le personnage de Neo dans Matrix en mode bullet time. De même, certains ralentis exagérés, certains effets de mise en scène réalisés dans le but de donner un aspect plutôt cool aux personnages, notamment les deux principaux, sont totalement inutiles et abrutissent un peu le propos du long métrage. Au cœur de ce patchwork de références au cinéma de KPDP qui fusionne ici avec les arts martiaux asiatiques, on peut se demander quelle est la place donnée au scénario. Ici, malheureusement pour Christophe Gans, l'intrigue du Pacte des loups ne semble n'être qu'un prétexte pour nous proposer un spectacle haut en couleur d'une fusion de genres. Ok, la bête du Gévaudan. Ok, on retrouve certains personnages clés de cette affaire, mais tout ce que l'on voit reste quand même ultra fictionné. Le Pacte des loups n'est d'après moi pas le meilleur film que l'on aurait pu faire sur le mystère de la bête du Gévaudan. Le Pacte des loups met davantage en avant sa forme que son fond. Alors qu'un tel film aurait d'abord dû être plus axé sur le côté mythologique de la légende, quitte à nous proposer une mise en scène plus classique sans toutes ses références. Christophe Gans passe légèrement à côté de son sujet et c'est dommage. Pourtant, le Pacte des loups est loin d'être une daube totale. Le travail de son directeur photo est remarquable. Visuellement, on a affaire à une œuvre qui claque bien, qui est plus qu'agréable à regarder. Christophe Gans, malgré un tâtonnement sur son style, prouve qu'il sait tenir une caméra, et c'est déjà un très bon point, surtout pour un film fantastique comme celui-ci. L'autre point très positif, c'est la caractérisation des personnages qui est d'après moi plutôt remarquable. Aucun personnage n'est laissé sur la touche, et chacun bénéficie d'un traitement et d'une profondeur bien particulière, qui s'avère être très savoureuse ici. Christophe Gans impose également un rythme plutôt bien agencé, malgré quelques petites baisses de régime sur certaines scènes et surtout une énergie, la volonté de nous en mettre plein la vue avec cœur et passion. Le Pacte des loups est une œuvre bourrée de bonnes intentions et rien que pour l'honnêteté de Gans, il se doit d'être vu. Les comédiens, eux, remplissent leur part du contrat, même s'ils n'effectuent pas des prestations extraordinaires. En conclusion, le Pacte des loups est une étape, une marche dans la carrière d'un metteur en scène qui cherche encore son style. Esthétiquement bancal, des références assez bizarrement amenées, un montage trop assuré qui baise un peu certaines séquences, un scénario pas inintéressant mais un peu trop excentré de la légende dont il s'inspire, etc., etc. Le Pacte des loups est loin d'être un film parfait. Cependant, sa singularité et sa bonne volonté sont honorables, comme proposer un patchwork de genre cinématographique provenant de tous les horizons, au cœur d'un gros budget du cinéma français, cinéma français qui, rappelons-le, réserve en général ses gros budgets pour des comédies, malgré quelques exceptions. Avec ce film, Christophe Gans donne l'impression de quelqu'un qui veut tout nous donner, tout nous proposer, du rythme, de l'action, un scénario intense, des références bien senties, sauf qu'il a les bras trop chargés et qu'il y a quelques petits détails qui se sont cassés la figure en cours de route. Néanmoins, on a affaire à une œuvre très intéressante, très singulière, très particulière, qui vaut quand même le détour. À voir donc. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine !